Alors, moi j'ai réalisé un bac scientifique. J'ai effectué un bac pro aménagement paysager. J'ai décidé de poursuivre en BTS pour améliorer mes connaissances. En ce qui me concerne, moi, c'est devenir d'abord conducteur de chantier et puis à terme monter un jour mon entreprise si l'occasion se présente. Moi j'aimerais bien devenir chef d'équipe. Et si un jour l'occasion se présente, pareil, monter mon entreprise. On a l'occasion en fait de mettre en application une semaine sur deux en entreprise ce qu'on a vu à l'école. Et c'est un vrai gain puisque finalement on vit vraiment les situations auxquelles on peut être confronté. C'est pas simplement de la théorie, là on a vraiment l'aspect pratique, on découvre vraiment le métier. Oui, on découvre aussi le monde de l'entreprise. Et si vraiment, réellement, tout se passe bien, on peut être embauché directement en CDI derrière, soit en chef d'équipe, soit en tant qu'ouvrier, et monter au fur et à mesure des années. Ça nous prépare en fait au monde professionnel, au marché de l'emploi, on a vraiment une formation qui est complète. Là déjà, obtenir BTS en fin d'année. Ouais, ça serait déjà bien. Et puis après, intégrer l'école pour faire une licence conduite de chantier, conduite des chantiers d'aménagement paysager. Et après, à la suite de cela, si je souhaite poursuivre, faire une école d'ingénieur du paysage.